Et pour suivre ce dossier, rendez-vous bien sûr sur notre site ou sur notre application France Info. En Seine-Saint-Denis, des Roms victimes d'expéditions punitives à Clichy-sous-Bois, Bobigny, Aubervilliers, Noisy-le-Sec ou encore Bondy. Plusieurs personnes armées de bâtons ou de couteaux se sont attaquées à des familles de Roms. Alors à Bobigny, on va tout de suite retrouver Sophie Nemeyer. Sophie, à l'origine, il y aurait une rumeur. Oui, en effet, Émilie, depuis plusieurs semaines, circule sur les réseaux sociaux cette rumeur selon laquelle des Roms en camionnette enlèveraient des enfants. Des parents s'emballent sur les réseaux sociaux. Certains évoquent une camionnette blanche, d'autres une camionnette orange. La police a cherché à vérifier ces informations, notamment auprès d'établissements scolaires. À cette heure, aucun signalement ni aucune plainte pour disparition n'a été recensée. Les autorités et les élus ont cherché ces derniers jours à communiquer auprès du public pour dire que ce sont deux fake news, en vain, puisque cette nuit, eh bien, des familles de la communauté des gens du voyage ont été pris pour cible à Bobigny et à Clichy-sous-Bois. Plus d'une centaine d'individus ont participé à cette expédition punitive. 20 ont été interpellés. À cette heure, le parquet cherche à vérifier si tous sont en lien avec cette rumeur et puis essaye de vérifier des signalements pour disparition. Mais à cette heure, eh bien, la rumeur court toujours.